Des pains qui flottent dans une gigantesque mare d'eau à ciel ouvert, des pannes récurrentes de motos, telles sont entre autres les pertes enregistrées au quotidien sur la route Bonendale Abattoir Sodiko Bonamatumbe dans l'arrondissement de Douala 4e. À chaque minute, les chaînes se coupent. À chaque minute, nous, on a quand même l'argent. Maintenant, nous, les mécaniciens. En cours de réhabilitation et dans un état désastreux, accentué par le retour des pluies, ce tronçon qui semble faire les affaires des uns plombe les activités des autres. On souffre. La voiture ne peut plus porter la veine des gens et sortir avec. Face à ce sol gorgé d'eau, Paul, un mécanicien désemparé qui semble se réjouir des pannes de moto, n'est non plus épargné par la furie des eaux sur cette route. Dans mon garage, l'eau quitte de la route jusqu'à ça vient loin dans mon garage. Non loin, à quelques pâtés sur la route Solipa, les clients sont aux abonnés absents sur les étals débouchés. Nous avons une baisse d'activité car les clients ne sont plus capables de venir acheter de la viande à abattoir à cause de l'état de la route qui est inondée avec de l'eau. Rareté des clients, difficulté d'approvisionnement, les petits commerces broient du noir. Il est difficile de se faire livrer ici. Pour que je puisse acheter ma tomate à Sanagar, c'est trop difficile, voire même impossible. En attendant que leurs cris soient entendus, les habitants de l'axe rond-point abattoir Bonendale Sodiko Bonamatumbe continuent de sangloter sur cette route de toutes les difficultés.